Yop les gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera comment cacher un coffre. Donc voilà. Donc je suis tout seul. Donc là, je suis en créatif ici, donc vous voyez un peu. Mais cette technique peut se faire en survie puisque je l'ai essayé en survie et ça marche très très bien. Donc je vais vous montrer comment dissimuler un coffre. Donc tout d'abord il vous faudra un piston, un seul, hein. Moi j'en ai pris 64, mais bon, un seul ça suffit. Une pierre si vous voulez par exemple la camoufler en pierre, un rail, un coffre et un levier. Donc vous allez tout d'abord mettre le rail sur la terre, comme ça. Alors vous voyez que c'est pas vraiment très très droit. Donc vous allez mettre le coffre et après vous allez casser, ça va se retourner, donc voilà. Vous mettez l'objet que vous voulez cacher, donc ce que vous voulez mettre au-dessus pour justement qu'on ne le voie pas. Donc moi je vais par exemple mettre une pierre. Après vous mettez un piston au-dessus. Vous mettez un levier. Donc ça peut se faire n'importe où, hein. Vous appuyez. Donc vous voyez que là c'est bien caché. Le problème c'est que là il y a ça a débordé. Donc attendez 2 minutes. Non, je l'ai raté là. Donc je vais vite faire recommencer. Donc voilà, on casse. Voilà, on met un autre truc au-dessus. C'est qu'il y a un problème déjà de base. Je vais le faire ici. Donc vous mettez ça, ça. Ça marche mieux en survie. Vous mettez ça, vous cassez. Voilà. En survie, on peut le pousser. Là, c'est chaud à le pousser, donc je vais directement le mettre. Je sais pas si on peut. Non, il faut. Ah, j'ai compris pourquoi on le mettait. Voilà, donc vous cassez. Et quand donc ça c'est fait, vous mettez une pierre au-dessus, ensuite un piston, un levier, et vous appuyez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Vous mettez un piston, voilà. Voilà. Et là, donc, vous voyez que ça a caché. Ça, ce n'est pas normal parce que, en fait, en créatif, on peut pas le pousser. Mais essayez, franchement, essayez, vous allez voir, c'est trop fort. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez ouvrir. Voilà, donc c'est un coffre caché en gros. Ça m'a déjà bien servi. Voilà. Imaginons, voilà, même comme ça, vous voyez, on peut l'ouvrir ici. Normalement, ça doit donner ça. Voilà. Donc par exemple vous arrivez, il y a un copain qui sait pas que vous avez caché un coffre. Vous venez ici, vous allez tout en bas, enfin vous cherchez un peu dans le bloc quoi. Vous allez ici, hop là vous ouvrez. Et voilà. Et là donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, mais on peut pas en faire des doubles, je pense pas. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce court tuto. Il faut savoir que c'est pas moi qui l'ai réalisé en premier, j'ai regardé sur quelqu'un et je me suis dit. Pourquoi pas le faire connaître, pas la personne, hein, mais pourquoi pas faire connaître ces techniques en faisant un deuxième tuto. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un com. Et sur ce, ben, je vous laisse et j'espère que vous avez vraiment bien aimé ce tuto. Essayez parce que je vous jure, c'est trop top. Allez, salut!